ce matin, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous est amené à rencontrer une personne avec une problématique spécifique qui va nécessiter une réponse adaptée. Et pour la personne, se retourner dans le maillage de l'ensemble de ses interlocuteurs, c'est juste impossible. Il faut donc que ce soit les prestataires de réponse qui, eux, connaissent l'ensemble de l'offre afin de mieux accompagner et orienter au bon endroit la personne afin qu'elle ne se noie pas dans une multitude de chemins qui ne seraient pas les bons. Toute la semaine, de nombreux événements seront ainsi organisés. Sensibilisation, ateliers, conférences. Le but est, comme chaque année, de déconstruire certains préjugés qui ont la figure. Mais plus que la sensibilisation envers le grand public, la priorité, c'est bien l'insertion professionnelle. C'est pourquoi un des gros temps forts de cette semaine aura lieu demain avec le Handimove Emploi. Donc l'idée, c'est que les demandeurs d'emploi vont aller en binôme ou en trio au-devant des entreprises pour aller chercher des offres d'emploi. Voilà, ils sont offreurs de services et on les accompagne toute la matinée à aller dans toutes les zones à la rencontre des entreprises pour recueillir des offres d'emploi, des offres de stage, des entreprises qui voudraient bien faire découvrir leur métier et leur secteur d'activité. Et l'intérêt, c'est d'aller chercher pour le collectif. Et les demandeurs d'emploi vont tout mettre en commun et ils se partageront tout ce qu'ils auront récolté. Et on espère qu'à l'issue, il y aura des CDD, des CDI, des offres de contrats d'apprentissage et des offres de stage. Si vous voulez connaître tous les événements organisés cette semaine, rendez-vous sur le site semaine-emploi-handicap.com.